Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. D'après La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Waldman. Donc une BD qui est adaptée d'un roman, mais qui est quand même à la base un fait divers. Première planche, un juge qui met sa robe et un procès. Donc on se doute que ça finit pas très bien. Mais après, on part au début de l'histoire, qui est que Paul et Louise tombent amoureux. Alors, on est en quelle année? Parce que ça serait bien quand même que je précise. C'est avant la Première Guerre mondiale. Et ils se marient. Et puis, Paul part faire son service. Au tout début, la vie est belle. Petit bal, petit vin. C'est cool, ils se marient, tout ça. Hop, Paul part au service militaire. Et... pas de bol, Paul. Et ben, il y a la guerre. La guerre arrive, donc. Bon, il se dit, c'est pas grave, t'inquiète, on y va, pof, on torche ça en deux, et puis ça sera réglé. Ça se passe pas comme ça. Et que Paul, dans les tranchées, bah, comme beaucoup, en fait, il va péter un câble. Il va perdre beaucoup de ses amis, il est complètement traumatisé. Donc, il va carrément aller même se mutiler. Bah pour échapper en fait à cette horreur. Sauf qu'une fois qu'il est guéri, et ben on lui dit bah mon petit monsieur, va falloir retourner un petit peu botter le cul des Allemands. Donc là il se dit que ça va pas être possible et il déserte avec l'aide de sa femme donc Louise. Et là commence bah une planque puisque bien sûr il est recherché et que si on le trouve ça peut très mal finir pour lui. Donc il se planque dans une piole avec sa femme. Sauf qu'il va finir par péter un câble aussi parce qu'il peut pas sortir, il peut pas travailler, il s'emmerde à son soudeur. Ça commence à dégénérer entre eux. Et puis un jour, en fait, il se rend compte que s'il veut sortir, il faut juste tout simplement qu'il se déguise. Et notamment qu'il se déguise en femme. Et c'est là qu'il va commencer à se travestir avec l'aide de sa femme. Et il va devenir Suzanne. Une nouvelle vie va commencer pour lui parce qu'il va pouvoir travailler, il va pouvoir sortir, il va pouvoir aller faire la fête. Et un soir, il tombe, je pense que c'est au bois de Boulogne, où du coup, tout le monde s'amuse allègrement. Et ce qui se passe au bois reste au bois. Et du coup, il va devenir en fait un peu une idole de ce milieu-là. Et il va prendre plaisir en fait à être Suzanne. Et heureusement, parce que ça va durer 10 ans. Parce que quand la guerre se termine, voilà, il pense qu'il va pouvoir enfin redevenir Paul. Mais les déserteurs ne sont amnistiés que 10 ans après. Donc pendant 10 ans, il va être enfermé, entre guillemets, dans cette identité-là. Sauf que finalement, quand il va pouvoir redevenir Paul 10 ans après, eh bien, Suzanne va lui manquer. Et il va commencer à devenir violent avec Louise, à picoler de plus en plus. Et voilà, je vous spoile pas la fin. Vous savez que ça termine pas très bien vu que ça commence par le procès. Mais c'est très bien. C'est édité chez Delcourt. Et ça coûte, je ne sais pas. Mais peu importe parce que c'est vraiment super. Mais c'est pas tout récent, hein. Ça fait un moment que c'est sorti. Je crois qu'il y avait eu un prix à Angoulême il y a quelques années. Mais j'étais passée à côté, je ne l'avais toujours pas lu. Et là, je l'ai lu et c'est trop bien. Voilà.